monde, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso, évitant de prendre la parole entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018 pour deux échappatoires. Le bilan de la gestion de son gouvernement critiqué par le FMI et la Radio France Internationale, RFI, sur la dette cachée du Congo, qui a fait plusieurs fois le tour du monde. L'homme a peur du premier jour de l'an 2018, du fait de sa rhétorique connue dans le monde. Cela montre à la place publique que Denis Sassou Nguesso est un homme du passé, usé par le pouvoir solitaire clanique. Denis Sassou Nguesso, le dos au mur, ment au peuple congolais. Sur la négociation avancée avec le FMI, Mme Christine Lagarde a été d'une clarté limpide comme l'eau de source, comme quoi l'argent propre de la communauté internationale ne pouvait pas être injecté dans un circuit de la mauvaise gouvernance car la transparence était de mise. Les agences de cotation financière ne peuvent pas conseiller les investisseurs étrangers de venir investir au Congo où règne un pouvoir absolu à l'image de la Corée du Nord. Isidore Mbouba. Le Congo est fier de son indépendance, c'est du charabia. L'histoire de notre pays est trop émaillée des sons des autres pour en être fier. Nos parents nostalgiques du colon vont jusqu'à dire du bien de la colonisation française qu'ils buvaient le lait à l'école et non la bière dans les rues de Brazzaville. Isidore Mvouba, c'est quoi un cheval de Troie? Car le mot a un sens dans la vie, c'est dont on ne peut parler, il est mieux de le taire. Prenons la parole le 30 décembre 2017, avant tous les présidents du monde, pour parler des départs des deux anciens présidents supposés du Sénat et de l'Assemblée nationale, Denis Sassou Nguesso, et à côté de la plaque pour un discours préparé et lu. L'histoire est têtue. Monsieur Denis Sassou Nguesso, rien ne vous arrête et vous continuez dans vos inversions des valeurs. Seulement, en démocratie, le pouvoir émane du peuple et ce n'est pas au peuple de tirer la révérence. C'est à vous de rendre des comptes de votre mandat. S'il est bien réel. Sonny Laboutansi avait parlé avant sa disparition d'un état honteux et nous y sommes avec Denis Sassou Nguesso au Congo. J'ajoute un état voyou qui a triché aux échéances politiques d'une part et d'autre part qui a caché la dette du Congo auprès du Fonds monétaire international FMI. Je prends la parole ici au nom du peuple congolais qui n'est pas dans la salle folklorique du palais des congrès de Brazzaville pour applaudir chaque phrase bornée de la part du seigneur Denis Sassou Nguesso, l'homme qui a conduit notre pays, le Congo avec le pétrole, au sous-sol de l'épanouissement économique et social d'un pays en deçà de l'économie cacaoyère de la Côte d'Ivoire dans la zone monétaire du fonds CFA jusqu'à affecter le prestige restant du franc CFA. Le Congo avance économiquement. Mon œil, il fallait regarder le visage couvert de honte d'Antoine Nicéphore Thomas Phila Saint-Eude et les autres mécréants à l'assaut de Denis Sassou Nguesso sur un discours inspiré de sauvageant de la France-Afrique sous l'égide de Dominique de Villepin. Isidore Mvouba. Après des années de pilonnage sur les populations du Poul, un sujet, un verbe et un complément d'objet direct, c'est-à-dire une phrase pour parler de la région dont vous êtes originaire, est une insulte à la population du Poul qui a souffert d'une guerre injuste. La justice doit être juste. Le Poul en cheval de Troie est devenu une variable d'ajustement politique pour justifier la mauvaise gouvernance Sassou Nguesso, jusqu'à prendre en otage
une région avec sa population, la région du Pôle n'a pas vocation à devenir un souffre-douleur pour tout ce qui ne marche pas au Congo. Comme l'on ne choisit pas ses parents, l'État congolais, qui a un rôle régalien de protection du territoire et de la population du Pôle, sous le prétexte de la chasse à l'homme, en faisant référence à Ntoumi, l'armée du général Okoy est allée bombarder, au vu et au su de la communauté nationale et de la communauté internationale. Cela s'appelle un banditisme d'État. La communauté internationale n'avait pas écouté nos demandes sur la tragédie de la population innocente du Pôle. Pourquoi aujourd'hui signer un cessez-le-feu avec des bandits? Nous avons là une preuve d'une république égarée et non les enfants de la diaspora congolaise vivant à l'étranger qui s'indignent du mauvais fonctionnement de la république. Pourquoi aller construire à Oyo, à outrance, avec l'argent du Congo, et aller comme ça détruire des villages entiers, des vies humaines dans la région du Pôle, du vieillard aux petits enfants, sans la moindre tenue? Cela s'appelle un terrorisme d'État. En démocratie, dans un pays normal, la constitution est votée directement par le peuple ou par la voie indirecte, le Parlement et le Sénat réunis en congrès. En droit comparé, la constitution du 25 octobre 2015, le fruit d'un homme, ne vaut rien dans la vie politique d'un État régulier. Alors que rien ne vaut la Constitution dans un État de droit. Je rappelle ici que la Constitution congolaise a été décrétée un matin comme ça par Denis Sassou Nguesso avec la complicité de la Cour constitutionnelle présidée par Augustin Iloki. Paulin Makaya a purgé sa peine. Il n'a plus rien à faire à la maison d'arrêt de Brazzaville, car celle-ci n'est pas sa résidence. Pour un homme qui n'a pas eu le bénéfice de la réduction de peine, ni de la grâce de Denis Sassou Nguesso, l'homme politique qui parle de la paix plus que tout le monde, il y a une grande forêt au Congo, le deuxième bassin du monde, après le bassin amazonien, en poumon d'oxygène, sur l'angle écologique de la planète Terre. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de fumer une culasse, car j'ai trouvé inadmissibles les propos aériens de Denis Sassou Nguesso sur la paix régnant au Congo, que la région du Pôle serait un petit événement du banditisme relevant du droit commun. Oh mon Dieu, j'ai pensé au roman de Simone de Beauvoir, Sous le sang des autres, roman écrit pendant la guerre mondiale, avec l'espoir de le publier, mais sans savoir quand la guerre allait se terminer. En démocratie, on ne nomme pas un responsable de l'opposition par un pouvoir en conseil de ministres, pouvoir qu'il est censé combattre des idées. C'est au sein de l'opposition que l'on détermine le leader. Cette nomination du pouvoir ne peut être qu'une récompense pour une complaisance politique. Denis Sassou Nguesso et ses mécréants de la politique congolaise apprennent le peuple congolais à marcher sur la tête de la démocratie congolaise. La CDI a conduit les Congolais de se familiariser à sa terminologie lexicale, aujourd'hui partagée par les Congolais, y compris Denis Sassou Nguesso, à savoir banqueroute, faillite, additionnelle. Puis s'ajoutent naturellement les mots-clés du FMI sur le Congo,
énoncé, gouvernance, transparence. L'industrialisation du Congo, vantée par Denis Sassou Nguesso lors de son discours de fin d'année 2017, par 4 unités de production du ciment, où la tonne serait de l'ordre de 13 000 francs CFA, au compteur de la municipalisation accélérée, aucun Congolais n'a acquis un logement social. Il y a du ciment à foison au Congo. Seulement les caniveaux de 50 cm de profondeur au bord des routes Jean-Jacques Bouillard disparaissent avec des petites pluies. Une vraie marche arrière de l'économie de notre beau pays, le Congo. Je voudrais ici remercier la communauté internationale des États sur la libération de l'ancien colonel Marcel Picard par le biais du consul de l'ambassade des USA au Congo. Il faut que les mauvaises pratiques politiques s'arrêtent dans notre beau pays, le Congo. Jean-Marie Michel Moukoko et les autres prisonniers politiques doivent recouvrer la liberté sans délai. La démocratie sous les cocotiers au Congo incarnée par Denis Sassou Nguesso est un mélange de gens où Ngolo est toujours sauvagement secrétaire général du Parti congolais du travail et à la fois président du Sénat. C'est du n'importe quoi. Le budget du gouvernement Sassou Mwamba affiche copieusement un excédent en 2018, ceci avec des patients couchés à même le sol dans un hôpital qui dispose les meilleurs plateaux techniques du pays, c'est-à-dire un hôpital de référence au Congo, le CHU de Brazzaville, pour ne prendre que cet exemple. J'ai trouvé dégueulasse d'entendre Denis Sassou Nguesso parler de la primauté du droit et de la justice, l'arbitraire et l'impunité au moment où ses concurrents à la fausse élection présidentielle de mars 2016 ont élu domicile à la maison d'arrêt de Brazzaville et dans les locaux de la DST, la surveillance du territoire. Un discours très long de Denis Sassou Nguesso, très ennuyeux, déconnecté de la réalité, la même rhétorique, que dire d'autre? Vive la conférence nationale bis au Congo pour le bien du peuple congolais. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Bonne fête de fin d'année 2017 et je vous souhaite le meilleur vœu pour l'année 2018 qui va commencer dans quelques heures. Adrien Wabaloukou, président de la CDI, je vous remercie.